Coucou les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour tester ensemble le plastique fou. Alors, le plastique fou, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques mois la chaîne YouTube de Maggie. Voilà, le monde de Maggie. J'avais trouvé ça superbe, je connaissais pas du tout. Donc du coup, j'ai acheté du plastique fou sur Amazon. Donc c'est un plastique, alors celui-là en tout cas, en l'occurrence, il est blanc. D'accord. Vous en avez du transparent, j'en voulais du transparent et puis bah, je me suis gourée. Donc c'est du blanc, mais c'est pas grave, ça va faire le même effet. Donc vous avez une partie lisse et une partie pas lisse. Enfin, elle est lisse, mais celle-là, elle est, vous voyez, elle est vraiment lisse. Et voilà, limite plastique. Et derrière, non. Donc, on va venir tamponner sur ce côté-là, parce que j'ai essayé sur le côté plastique. Et en fait, l'encre n'adhère, mais absolument pas. Donc, je vais vous montrer, parce que je me suis déjà exercée. Hop, voilà. Par exemple... sur celui-là, vous voyez, hop, pardon, le tampon comme ça, ça devient, ça perd 40% quand on chauffe. Alors, il y en a qui le font au four, moi je le fais au heat gun. Alors, je vais refaire des petits, voilà, des petits personnages. Donc, j'ai ma petite presse à tampon. Tac, tac, tac. Ce que je fais, je découpe. Donc, hop. Voilà, je fais comme ça. Je sais que ça va avoir cette taille-là pour tamponner. Après, ça va réduire. Donc, je coupe des morceaux. On va faire celui-là. On va faire celui-là. Le petit lapin à bicyclette. Donc pareil, hop. Voilà. On va faire ces deux-là pour l'instant. Donc ne vous trompez pas, hein, pas la partie, pas la partie lisse et qui brille. Ah oui, donc non, comme ça c'est mieux. Donc, hop, mes aimants. Il y en a un là, ici. Non, comme ça. Même si c'est travers, c'est pas grave, hein, puisqu'on va couper et ça va rétrécir. Voilà. Donc, voilà. Je vais faire le petit, ben, le petit ours en bleu. Donc, j'ai pris de l'encre de chez Action. Et puis, je vais prendre pour le lapin. Le lapin, je vais le faire. Allez, on va le faire en vert métallique. Allez. C'est pas évident. Alors, donc, vous avez vu, enfin, j'avais déjà essayé avec les encres Action. Et en fait, ça marque... J'ai nettoyé mes tampons, mais malgré tout, ça marque. Alors, je vais tamponner. On va voir si ça a bien fait. Alors, le bleu, oui, mais hop, le vert, il va falloir, à mon avis, que je refasse, que je remarque bien. Alors, ok. Voilà. Donc, hop, je vais les enlever. Donc, ça va mettre sur le côté. Je nettoierai après. Je regarde juste si ça continue de filmer. C'est parfait. Alors,
Il va y avoir un petit peu de bruit parce que je vais utiliser le heat gun. Alors, je vais venir découper, je vais faire le contour donc, du petit lapin. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre les doigts dessus parce que l'encre n'est pas sèche. Alors, je vais faire un petit peu moins. Hop. Je suis sérieuse, je suis studieuse pour bien faire ça. Voilà, puis j'essaye de ne pas mettre les doigts dessus, donc ça c'est moins évident. On va pas aller jusqu'au bout parce que comme c'est du plastique, ça craque vite. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Où je commence à couper et puis j'ai été un peu trop loin et ça a craqué. Hop. Voilà. Donc on va faire le petit lapin. Alors j'ai déjà fait donc plusieurs essais où je chauffe sur cette partie-là, mais je sais pas pourquoi. Ça, en fait, quand il se replie, vous allez voir, hein, il se plie, après il se déplie, il reprend la forme. Et eh bien, ça, des fois, ça se déplie pas bien. Donc, c'est foiré. Donc, du coup, ce que je fais faire, je vais le mettre de l'autre côté et je vais le chauffer du côté plastique. Alors, on va le chauffer, vous allez voir. Après, quand il reprend un peu sa forme, avec, là, j'ai pris un bloc acrylique. Hop, je vais poser dessus pour qu'il reste bien plat. Donc bah là, je ne vais plus parler, je vais vous montrer parce que ça va chauffer. Et du coup, juste je prends une petite pince à épiler pour tenir, pour pas que ça vole partout. Allez, c'est parti. Et j'appuie. Et là, hop là, vous voyez, alors ça a épaissi et puis c'est devenu tout dur. Vous voyez, c'est super mignon, j'adore. Et voilà. Donc on va faire le petit. Ah bah dis donc, ça va aller. Je vais couper, donc on va pas voir. Donc je vais couper. Donc on peut faire ça. Après, on va essayer avec du feuillage. J'ai des feuilles et des fleurs. Hop. Ah, bien, allez, un peu plus court. On peut même, en fait... on fera un petit essai. En faisant un petit trou avec la crocodile, par exemple en haut, mais avant bien sûr de le passer au heat gun, on fait un gros trou, ça va rétrécir et après on pourra, si on le souhaite, passer un petit fil et puis s'en servir comme pendentif, comme embellissement, qu'on peut après mettre par exemple sur une tranche d'album, sur le bijou d'album. Voilà. Donc là, on jette et rebelote. Donc là, je regarde toujours si ça filme au cas où. Donc là, hop, à l'envers, je refais le même procédé. Et puis, on chauffe.
Alors, des fois, pourquoi? Voilà. Hop, ça hausse. Bon, c'est un peu chaud, mais ça ne veut pas reprendre sa place. Donc, je vais l'aider, hein, parce que... Vite, avant que... Hop, ça ne durcisse. Allez. Et bien, on va y aller comme ça. Oh, celui-là, il va être raté. Oh non, quoique. Et c'est pas évident. Hein, parce que des fois, il veut pas reprendre sa place. Eh ouais, ouais. Bon, ça fait une petite marque. Vous voyez? Ici, ça fait une petite marque. Parce qu'il a plié et ça a commencé un peu à durcir. Et je sais pas pourquoi, des fois, il... Bon, j'ai peut-être pas encore le truc adéquat. Vous voyez, ici, dans au dos. Mais bon. Bon, on va continuer quand même. On va faire avec des fleurs et du feuillage. J'ai envie d'essayer. Hop. Alors, hop, je reprends ça. Je vais nettoyer. Ensuite, ah oui, je vais prendre ces petites fleurs. Je vais mettre sur le côté. Je vais prendre ces deux fleurs là. Donc elles sont ces deux fleurs, mais elles sont accrochées. Donc pareil, je prends du bon côté. Là, comme ça. Voilà. Et puis, j'ai dit que j'allais faire un peu de feuillage. Je vais faire avec celui-là. Donc, je vais faire avec celui-là. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc là, c'est trop petit. Donc... Donc ben pareil, on va venir tamponner ici. Je vais utiliser pour le feuillage, ben, je vais reprendre du vert. Je vais prendre un autre vert. Et puis, pour... Ben je vais prendre un... Allez, pour les fleurs, je vais prendre un rose. Allez, c'est parti. Tac. On tamponne. Parfait, du premier coup. Là, je vais le laver tout de suite. Allez, donc ça se nettoie bien. Alors, on va enlever. Et rebelote. Donc, on va essayer celui-là. Donc, je vais le garder attaché. Et je vais bien couper autour. Regardez, on fait sur celui-là, on va faire le trou. Donc vous allez voir, je vais pas du coup couper un endroit pour après si on souhaite insérer une ficelle. Voilà, alors hop, là vous voyez, j'ai laissé hop, comme ça.
avec le trou ici. Hop. Alors là, j'arrive tout de suite. Je vais prendre ma crocodile. Voilà, donc je prends ma crocodile. Donc je prends le plus gros trou. Hop. Et puis je vais venir faire un trou. Voilà. Alors attendez, tac. J'ai presque plus de batterie, donc c'est, mais ça va aller. Voilà. Pareil, je retourne. Et je prépare mon matériel et je viens chauffer. C'est parti. Hop, et là on appuie. Et voilà. Ah bah j'adore. Regardez-moi ça. Bien réussi. Et là, vous voyez, vous pouvez passer une petite ficelle. Et ça vous fait hop, un petit pendentif à accrocher où vous voulez. J'adore. Allez, on va faire la feuille. Enfin, le feuillage. Ciseaux. J'en suis devenue folle du plastique fou. Et je vais m'acheter du transparent parce qu'ils en font aussi du noir. Hop là. Voilà. Tic. J'ai un gros ciseau, j'essaie avec mon petit ciseau de précision, mais en fait, comme c'est du plastique, voilà, j'ai préféré prendre les gros ciseaux. On va y arriver. Hop. Voilà, on va pas laisser, hop, on va arrondir. Et ici aussi. Voilà, et ben rebelote, même procédé. Donc, je vais avec ça. On y va. Avec ma petite plaque hop, à côté. Et voilà, bon, il y a un petit défaut, mais ça, c'est de ma faute. Hop. Ici, là, parce qu'en fait, j'avais coupé avec le plastique. Vous remarquez, ben, je vais l'enlever, c'est pas grave. Et voilà. Regardez. Donc, on a fait ça, on a fait ça. Hop. Donc, ben, le celui-là, effectivement, hein, un petit défaut, mais voyez... En fait, ça le fait quand même. Hein. Et voilà. Bon, moi, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi, n'hésitez pas. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ma vidéo vous aura plu. Que si vous ne connaissez pas, je vous ai fait découvrir quelque chose. Parce que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'adore. Donc, je vais en faire d'autres. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. La petite cloche pour ne pas perdre mes vidéos. Et puis voilà. Bah, écoutez... plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.